Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage général pour les lions. Alors comme j'ai dit, ayant eu un problème matériel, je n'ai pas pu terminer les guidances pour le mois de septembre. Donc je vais commencer par les signes qui n'ont pas eu leur guidance au mois de septembre. Donc là, aujourd'hui, ce sera les lions, ascendant lion, lune en lion. Et nous commençons avec la carte qui va dominer au niveau des énergies pour ce mois d'octobre 2020 pour vous les lions. Alors nous avons Peter Pan, cette carte qui dans le tarot correspond au chariot. Donc là on vous dit essayez de avancer, allez à la découverte d'autres univers, d'autres endroits, d'autres lieux. Essayez alors aussi, faites le oh zut, faites barrière à tout ce qui peut vous retenir concernant le passé. Sortez de votre passé et avancez. Avancez. Allez découvrir vraiment d'autres lieux. Peut-être que vous allez changer de travail, donc ça va vous faire découvrir d'autres personnes. Vous prenez vraiment ce qui vous correspond, mais là le chariot c'est on avance dans la vie d'un pas sûr. Voilà, ça y est, on a confiance en nous, on y va, on va à la découverte de différents domaines, hein, bien sûr. Vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, on va voir pour ce tirage avec le Béline ce que le Béline va nous dire pour vous, les lions. Alors, lion. On va dire déjà, il y a la carte de l'homme qui est sortie, donc ça peut être vous qui regardez, ça peut être aussi femme. Donc vous prenez, c'est vraiment, ce tirage va vraiment être pour la personne, pour le consultant, en fait, pour vous qui regardez. Donc vous prenez vraiment qui résonne en vous. Eh ben dis donc, on en a beaucoup. Allez, on y va. Lion, octobre 2020, s'il vous plaît. Pour Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Alors, à la coupe. À la coupe. Nous avons, waouh, la clé de la destinée. Et nous avons la passion. Donc là, vraiment, c'est... Ça y est, on y va, vous trouvez la solution pour sortir, comme je vous disais, d'une situation peut-être traumatisante aussi, hein, du passé. Vous avez la solution en vous et vous allez vers quelque chose vraiment avec le cœur. Vous allez raisonner pour le mois d'octobre avec le cœur. Vous allez faire que des choses qui vous passionnent. Vous allez peut-être trouver aussi au niveau sentimental la passion. Bon, vous prenez vraiment... Et derrière, nous avons l'argent et nous avons la campagne. Alors, il se peut aussi que justement, vous avez des projets. Vous avez peut-être des projets qui, jusqu'à présent, étaient un peu bloqués. Et là, on vous dit, peut-être l'accord d'un prêt, peut-être un nouveau travail, voilà, qui avec une augmentation, changement de poste, peu importe. En attendant, là, ici, pour moi, il y a vraiment... un projet, alors ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet comment on dit de vacances, voilà, de toute façon c'est magnifique avec cette carte. Alors on va voir la suite. Allez, on y va. Lion. Le hasard, la sagesse. Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Pour le mois d'octobre, j'en ai trop. Alors, lune en lion pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. On y va. Là, déjà, le hasard et la sagesse. Là, on vous dit, waouh, la réussite, magnifique. C'est trop. Les nouvelles. Alors, pour certains, vous attendez des nouvelles, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles avec la carte de la réussite à côté.
on va prendre celle-ci et l'héritage. Donc apparemment, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez en vous depuis très longtemps. Et là, on vous dit, vous êtes en période de chance. Écoutez-vous. Vraiment, avancez. Avancez avec sagesse, avec prudence, mais vous allez vers quelque chose, vers une réussite. Alors que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit éventuellement aussi sentimental, bien que je n'ai pas de carte au niveau sentimental, mais bon, vous prenez ce qui résonne en vous. Là, vous attendez peut-être quelque chose, mais depuis longtemps, vous l'attendez vraiment depuis longtemps. Des signatures, des papiers officiels, dans l'immobilier, dans le travail, voilà, il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer ici. Et en plus, en carte centrale, vous avez la réussite. Donc, c'est vraiment pour ce mois d'octobre, vous allez rentrer dans le mois d'octobre avec une période de chance. Vous allez être couronné de succès, bien sûr, mais on vous dit réfléchissez, prenez le temps de, si c'est des contrats, ben, prenez le temps de lire les contrats, prenez le temps de lire vos prêts, les petites clauses qu'il y a, et avancez sereinement quand même, parce que vous avez quand même la réussite. Oh, ben c'est pas mal ça. Allez, on va voir ensuite avec la triade. Pour vous, le lion. Allez, lion, ascendant, lion. Ah ben dis donc, ben déjà. Bon, déjà, hein, vous avez vu, il y a une mutation, il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a la richesse, peut-être la richesse intérieure, mais on va voir. Lion, ascendant Lion pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. On y va. Alors, la sagesse, ça veut dire aussi peut-être d'être un petit peu patient aussi, hein. Voilà, il y a le choix, la carte du choix et la carte des armes. Alors, il va peut-être falloir vous battre. Vous avez un choix à faire. Il va peut-être falloir vous battre peut-être contre vous-même, peut-être contre l'administration, peut-être voilà, contre les banques. Enfin, bon, vous adaptez à votre situation, mais là, ça va vous. C'est comme si, en fait, le fait de. Parce que derrière, on a l'initiation. Donc, c'est quelque chose pour vous qui va être formateur, en fait. Voilà. Ça va être quelque chose qui va. Le fait de vous battre, peut-être aussi contre vous-même, hein, ça va être quelque chose qui va vous permettre de vous éveiller, de vous réveiller. Et d'avancer d'un pas plus sûr vers le soleil, parce qu'on a quand même quelque chose. Et ce choix va vous me faire, c'est la fin d'un cycle pour vous. Le choix que vous allez faire, avec ce choix que vous allez faire, vous allez entamer un nouveau cycle. Et encore la carte de l'homme qui ressort ici. Donc l'homme, ça peut être avec l'aide d'une tierce personne. Ça peut être vous concerner vous si vous êtes un homme, ou ça peut concerner aussi éventuellement vous, mesdames, puisque c'est interchangeable, bien sûr. Et la notion du voyage, c'est vraiment alors des déplacements, c'est peut-être un voyage, effectivement, c'est peut-être un voyage, mais ou simplement garder le cap. Voilà. Alors, on va voir ce que ça nous dit au niveau du tirage en lui-même. Allez. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Là, il y a vraiment un changement, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous, les lions. Il y a la réussite, il y a des bonnes nouvelles. Allez, lion, ascendant lion, lune en lion pour le mois d'octobre. Allez, go. C'est parti, s'il vous plaît. Bon, allez, on va faire le tirage. Alors, sacrifice. On va les déplacer. Naissance. Waouh. Adversaire. Et fusion. Oui, là pour moi. Et en dos de deck, on a encore une fois la réussite ici. Alors. Il y a cette notion peut-être de que vous avez l'impression de vous sacrifier dans une situation.
Mais ce sacrifice va vous amener quand même beaucoup d'émotions d'ailleurs, mais ça va vous amener aussi un renouveau, d'où la sagesse ici. Vous êtes votre propre adversaire, il va falloir vous combattre vous intérieurement pour pouvoir avancer. Ça peut concerner le sentimental avec la carte de la fusion, ça peut concerner également parce qu'il y a un projet, une association, quelque chose qui, voilà, qui vous lie à une tierce personne. Mais pour moi, il y a quand même un projet, il y a ce projet ou cette fusion ou peut-être ce rapprochement avec votre autre, on va dire. Vous doutez, hein, vous doutez quand même, parce que vous luttez contre vous-même avec cette carte de l'adversaire, mais vous êtes protégé. Mais ça vous allez vers quelque chose de nouveau, il y a une renaissance pour vous, ça va vous amener énormément d'émotions, bien sûr. Mais n'oubliez pas qu'il y a ici et ici la carte de la réussite. Vous avez la réussite. Donc allez-y, quoi. J'ai envie de vous dire, arrêtez de réfléchir et allez-y. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Bon, bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le domaine. Alors, peut-être que vous avez le projet de vous mettre auto-entrepreneur. Voilà. Mais de toute façon, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Écoutez-vous. Sortez de vos doutes, quoi, émotionnels qui peut provoquer justement un certain blocage. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? La jalousie et la naissance. Alors, la jalousie, ça peut être comment dire, dans le domaine sentimental, bon, évidemment, ça peut être, il y en a trois personnes, donc il peut y avoir une triangulaire. Où vous êtes, voilà, vous savez pas trop, vous avez énormément, du coup, vous attirez la jalousie autour de vous, ou alors c'est peut-être qu'avec par rapport à cette triangulaire, si vous êtes en couple, pour moi, hein, si vous êtes en couple, donc la troisième personne, vous avez envie de construire avec cette nouvelle personne, vous avez envie de vous voilà, de créer, d'avancer, de vous installer avec cette personne et d'avoir un nouveau départ. Moi, je vois ça. Mais, alors derrière, il y a vraiment le cadeau. Et là, vous avez le retard. Le retard et vous avez la trahison. Donc là, vraiment, pour moi, c'est vraiment dans le domaine sentimental. Y a pas la carte de l'amical, de l'ami. Bon, on va voir, mais attention, attention à la jalousie. Après, ça peut être aussi dans le cercle familial, hein, bien sûr, même si on n'a pas la carte familiale. Vous savez, de toute façon, la jalousie, on l'a toujours. Comme je dis toujours, tant qu'on est au même niveau des personnes, tout va bien. Si on est en dessous de ces personnes, tout va bien. À partir du moment où on les dépasse, alors là, ça va plus. Allez. Lion, ascendant Lion, lune en Lion pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Hop. Wow. Vous avez la victoire. Ça marche bien. La victoire. La victoire sur une situation. Hein, quand, du coup, ça rejoint la réussite. Parce que la victoire, c'est la réussite. Allez, hop. Le boomerang. C'est très beau pour l'instant. Allez, Lion, ascendant Lion, lune en Lion, s'il vous plaît. Oh là là. Ah bébé, on va les prendre. Alors, on a la tranquillité, le rêve et les accusations. Donc, et là, en dos de deck, on a le voyage. Donc, le voyage, c'est un voyage. C'est aussi peut-être prendre une certaine hauteur par rapport à une situation. C'est peut-être des déplacements, vous allez peut-être amené à avoir des déplacements. On va voir ça de suite. Donc là, vous avez la carte de la victoire ici et le boomerang, la tranquillité, le rêve et les accusations. Donc pour moi, là, vraiment, il y a une notion vous récoltez, vous allez récolter ce que vous avez semé et ça va vous amener la tranquillité.
Par contre, là, attention de ne pas être, comment dire, faites attention parce qu'on a eu quand même la carte de la jalousie. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont comme les serpents, vous savez, qui sont comme ça, qui vous font figure devant et puis que par derrière, bon, ils essayent de casser justement ce que vous êtes en train de construire. Mais on vous dit, vous êtes décisionnaire de toute façon. Laissez parler, c'est vous qui êtes bien placé. Et voyez, en bas, ça parle, on vous juge, voilà. Donc, mais je pense que vous allez faire abstraction de tout ça, puisque il y a beaucoup de, y a la réussite quand même, hein, il y a la réussite de partout, hein. Dans les trois tirages, il y a quand même cette notion de réussite. Donc, c'est parfait. Donc, ça soit dans le niveau professionnel, personnel, familial, sentimental, vous adaptez bien sûr. Vous avez, pour synthétiser, vous êtes sur la route, voilà, ça y est. Vous avez fait peut-être un travail intérieur qui fait que ben, vous avez décidé d'avancer dans la vie et de plus vous poser de questions. Vous êtes un peu encore un petit peu en lutte avec vous-même intérieurement parce que tout ce que vous entreprenez, vous avez l'impression de faire que c'est un sacrifice. Mais voilà, vous allez vers quelque chose de magnifique, quoi, en fait. Alors, nos fées, que nous disent nos fées? Quels conseils pour vous, les lions, pour ce mois d'octobre 2020? Oups. Alors, un petit conseil de nos fées pour ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Eh bien, voilà. Partez! La voici. Alors. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Voilà, ben ça y est, vous êtes en route vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau cycle. Vous avez fait un travail sur vous-même et vous avez dit stop, en fait. Voilà, intérieurement, vous avez dit stop, j'en ai marre. Vous vous détachez des personnes toxiques, vous vous détachez des personnes, des situations aussi qui ne vous conviennent plus et vous avancez. Eh bien, c'est magnifique ça. Voilà, mes amis lions. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner pour voir les prochaines guidances et puis mettre un petit pouce en l'air. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt.